Ik vond het een gesloten wedstrijd. De eerste helft zeer gesloten. Het veldspel en de combinaties waren verheupen. De tegenaanval waren een klein beetje voor ons. Een paar schoten van de tweede lijn. Joek aan de eerste paal. En Eup is ene keer door de overlap van Kenne gevaarlijk geweest. En de tweede keer was het raak 1-0 achter. Maar ik vond dat er absoluut weinig verschil was tussen de twee ploegen. Typische tweede klasse wedstrijd waar het verschil onderling heel miniem is en de details bepalen. Of besluit van Arby. Bepalen het resultaat. Tweede helft hebben wij druk naar voren gezet. Nou, dat ging best wel goed. Ik moet zeggen dat we ze toen het combinatiespel er ook konden uithalen. Ze werkten dan veel met lange ballen. Alleen gaven we natuurlijk wel wat ruimte weg. Nou, we kregen dan wel wat kansen met Joren Dom, 1-1 met de keeper. En we scoorden gewoon een goede goal, 1-1. En dan kan die wedstrijd alle kanten op. De twee ploegen wilden winnen. Alleen denk ik dat op dat moment Eupen iets beter kansen creëren. Al met al ben ik wel tevreden met een punt. Op verplaatsingen, vooral hier, is dat altijd wel goed. Oké, we komen tekort voor de eerste periode, maar we hebben maar 1 keer verloren. We hebben iets te veel draaitjes gespeeld. Maar ik ben wel tevreden met de manier waarop wij aan het werk zijn. Voilà, l'entraîneur de l'Antwerp pense que c'était un match serré entre deux équipes qui se tenaient de très près, deux équipes vraiment un match de deuxième division serré. En première mi-temps, les combinaisons étaient peut-être meilleures de Eupen, occasion de Ken aussi. En deuxième mi-temps, Eupen a travaillé beaucoup plus avec des longs ballons. Antwerp a su créer beaucoup plus de présence et de pression devant le but. Pour lui, c'est dommage de ne pas avoir pris la première tranche, mais le championnat continue. Et voilà, il trouve que le 1-1, c'est viable pour toutes les deux équipes. Juste ? Ok, merci. Avez-vous des questions ? Avez-vous des questions ? Dennis, goedenavond. Wat vond je van Dolacour, van zijn optreden? Est-ce qu'il était content du match de Dolacour ? Delacour heeft dit jaar niets van in eerste klasse gefloten. Het was een beetje warrig, maar ik kan er wel mee leven. Het was van beide kanten wel eens een keer een foutje. Dus ik moet niet zeggen dat het eenzijdig was. Het was, ik denk wel, een relatief makkelijke wedstrijd om te leiden. Er gebeurde relatief weinig. Er waren wat penaltyfases. Van beide zijden trouwens. Maar oké, ik moet zeggen, verleden week had ik daar wel meer moeite mee met de arbiter. Vandaag kan ik daar wel mee leven. En het is niet zo mijn principe om daar echt over te oordelen. Voilà, je voit que c'est un joueur expérimenté qui peut encore apporter beaucoup de choses dans l'avenir. Il y avait quelques décisions litigieuses au bord du terrain, mais ce n'est pas sa façon de critiquer l'arbitre. Une fois c'est comme dans ce sens-là, et puis la semaine prochaine, ça se récupère dans l'autre sens. Autre question ? Pas de question ? Unser Trainer steht uns heute zur Verfügung. Er ist allerdings etwas unter Zeitdruck. Donc notre entraîneur est bien à notre disposition, mais il y manque plus de temps. Il a un rendez-vous important. Donc l'analyse du match de notre entraîneur. Et vamos a ver, ha sido un partido muy disputado, donde los dos equipos han ejercido una gran presión, donde creo que hemos llevado la mayor parte del peso del partido a través del balón, hemos sido nosotros. Sí que es verdad que la segunda parte ellos han estirado un poquito más las líneas y el primer inicio ha sido más largo, pero creo que el dominio del juego ha sido nuestro. Hemos generado menos ocasiones que otras veces, pero sí suficientes para haber ganado el partido, porque ellos prácticamente solo la ocasión de Diabandú, que se ha equivocado, y el centro, no cuenta otra ocasión de gol. Entonces, pues bueno, yo creo que el partido ha sido muy disputado y nosotros hemos ejercido una gran presión y ellos también. Il pense que c'est un match très disputé. Les deux équipes ont mis beaucoup de pression. Il pense qu'on essaie quand même de dominer le jeu avec le ballon, de jouer. Et c'est vrai qu'à la deuxième demi, c'est un peu plus direct. Eux, ils ont essayé d'attaquer un peu plus direct. Mais voilà, il pense qu'on a quand même, on a eu quand même un jeu assez correct. Il disait aussi qu'ils ont eu quand même une très bonne occasion, que c'était l'occasion du but, mais après ça, il n'y a pas eu beaucoup de frappes sur notre but.
Sí, 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 sí. C'est le ballon que Dion Dut perd ici, juste en face de la surface de réparation. Mais voilà, en résumé, c'était un match très très disputé et parce qu'il y avait une haute pression de la part des de deux équipes. Avez-vous des questions? Ce qui a manqué par rapport à la semaine passée, c'est un peu le réalisme offensif. On n'a pas su concrétiser les occasions, justement. Sí, sobre todo no la ocasión bien bien clara, pero sí los últimos pases. Hemos fallado algún último pase que era un pase decisivo de gol. Y ahí hemos en qualche situación una manqué la dernière passe. Pas déçu du manque de réalisme défensif, l'Antwerp une occasion, un but. Era un fuera de banda nuestro. Hemos dado el balón, no hemos apretado bien el centro y el número 24 creo que ha sido, ha rematado muy bien. Es un buen gol. Es un buen but por la parte de Anders. Es justo que c'était un touche que no on a pas mis la presión necesaria. Y un très bien centré el balón, el número 24, il a vraiment bien fini. Il a fait une belle finition avec. Est-ce que le coach a trouvé son équipe? Hein? Est-ce que le coach a trouvé son équipe? Ça fait deux fois qu'il aligne presque la même équipe à Marseille. C'est une extraordinaire ligne aussi. Vamos a ver, los jugadores se ponen y se quitan solos. Entonces, yo las alineaciones intento hacerlas lo que mejor veo. Sí que es verdad que no hemos repetido alineación porque no ha jugado Romeo. El otro día jugó Romeo. Y lo demás hemos repetido. Yo creo que el equipo está jugando bien. Estamos intentando hacer un buen fútbol, generamos ocasiones, pero esto de repetir el equipo, pues no lo sé, ellos mismos. La gente se pone y se quita a ellos mismos. En esta ocasión me sabe mal por Romeo, porque Romeo hizo un gran partido el otro día. Muy buen partido. Pero pienso que Cocabas tiene su crédito, se lo ha ganado, entonces he preferido darle continuidad a Cocabas. No, yo pienso que los jugadores son ellos mismos que qui se mettent dans des conditions de se mettre partant non, par rapport à sa performance. Il pense qu'il est un peu triste pour Romeo, parce que Romeo il a vraiment bien joué dans l'autre match contre Saint-Nicolas, mais bon, il a préféré donner un peu plus de continuité à Fazli, à cause de... quand même, il a gagné son crédit pendant les autres matchs. Alors, mais il est vraiment... pour lui, c'est dommage pour Romeo, parce que c'est... Justement par rapport à ça, le joueur qui commet le plus d'erreurs en défense centrale, c'est Diagne. Mm. Justement, pourquoi pas ne pas avoir mis la paire Cocabas et de Beuve. Donc, pour faire une de la situation, il y a quand même Yo soy el entrenador y decido los que juegan. Yo respeto lo que vosotros opináis. Y respeto tu opinión, pero finalmente es esa decisión técnica de tomar esa decisión. Vielen Dank. Die Eishaupten bedankt sich für Ihr Interesse und wünsche Ihnen einen schönen Sonntagabend. Okay. Merci. Merci.